Bienvenue à tous, on est de retour dans mon garage pour continuer donc la réalisation de mon établi. Comme vous pouvez voir, donc la structure est faite, mais pour le moment tout ce que j'ai c'est en gros une table. Donc on va commencer tout ce qui est ajout d'accessoires. En particulier aujourd'hui, donc on va mettre des roulettes rétractables. By the way, if you don't speak French, you can just activate the subtitles. I made them for you, so you can follow this video without any problem. Bon, bah, c'est parti. Alors, si vous demandez pourquoi je mets des roulettes sur l'établi, sachant que c'est censé quelque chose qui doit être stable, c'est tout simplement parce qu'avant d'être un atelier, c'est surtout un garage. Et si je veux pouvoir faire rentrer la voiture, il faut que je puisse faire rouler mon établi hors de là où la voiture va prendre sa place. C'est pour ça qu'à un moment, il est contre le mur là-bas. C'est pourquoi j'ai choisi ces roulettes, c'est qu'elles sont rétractables, et donc ça veut dire que lorsqu'elles sont rétractées, l'établi repose sur ses pieds réellement, et ce qui permet d'avoir qu'il soit stable et que je puisse relever les roulettes quand j'en ai besoin. Donc, et voilà, maintenant qu'il y a des roulettes, c'est quand même bien plus pratique, je peux le mettre où je veux. Voilà, donc les roulettes c'est fait, ça m'a pris environ, même pas 20 minutes, allez 20 minutes max. Et voilà, on va attaquer donc dans cette seconde partie de la vidéo le perçage des, je sais pas comment on dit en français, mais des dog holes. Donc ils vont partir de ce côté là, si je me trompe pas, ça. De ce côté là, donc où j'aurai ma presse donc je vais faire deux lignées au milieu d'une des barres de bois qui est là, donc ça va faire comme ça. Je ne sais pas encore si je vais aller jusqu'au bout, mais je pense que j'irai jusqu'au bout ici. Donc il faut déjà que j'aille acheter un tourillon. Ah bah voilà, tourillon. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le modèle MTF, je crois, de Festool, où en fait on fait des trous de 20 mm tous les 96 mm. J'ai choisi ce modèle parce que je pense que c'est un modèle standard, donc si un jour, par chance, j'ai un objet Festool et que je dois l'utiliser sur l'établi, bah, je pourrais utiliser les accessoires s'il y en a. Donc voilà, le grand moment est arrivé, on est prêt à percer, j'ai ma mèche qui est prête, j'ai également fait un petit assemblage ici pour m'aider à percer droit sur tout le long et également surtout avoir le bon espacement entre les deux entre deux trous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la distance de mon premier trou, percer un peu plus loin et surtout faire en sorte d'éviter la rambarde qui est au milieu là. Allez, courage, de toute façon il faut le faire, je suis du bon côté. C'est bon. J'ai un peu l'impression de détruire mon enfant. Hop là, bon bah j'ai fini par acheter ça qui va me permettre de percer droit parce que mes premiers trous n'étaient pas droits du tout. Donc c'est parti, allez on enchaîne.
viens de m'acheter un nouveau jouet. Donc c'est un petit tour à bois 4 vitesses. Il est plutôt simple, mais il fait au moins 1m40. Et il a quelques accessoires, donc je l'ai eu pour pas trop cher sur Le Bon Coin. Et en plus, il fonctionne, donc c'est vraiment, enfin, je suis super content. On va utiliser donc ceci pour finir les bench dogs. Donc on a déjà tous les trous. On n'a plus qu'à faire donc la bonne épaisseur, sachant que j'ai acheté un tourillon qui fait 21 mm et en fait il me faut que ça fasse 20 mm. Parfait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a fini nos bench dogs avec les petits trous. Bon, ça a été un peu plus effrayant de percer dans l'établi qu'est-ce que je pensais. Mais bon, c'est comme tout, il faut se lancer. Et puis de toute façon, il va s'abîmer cet établi. Donc comme j'ai déjà fait, là on voit qu'il y a déjà des traces. Mais bon, une armure qui n'a pas de rayures, c'est une armure qui n'a jamais servi. Et donc un chevalier qui n'a jamais été testé. Ça va faire du bien de voir cet établi vieillir et que j'apprenne dessus. Donc voilà, donc j'ai fait mes petits bench dogs, j'en ai fait des longs, j'en ai fait des plein de feux courts, sachant que de toute façon je vais en perdre. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner pour voir la suite du projet. En parlant de la suite du projet, donc pour la prochaine vidéo, on va faire tout ce qui est presse. Donc on va commencer par la presse frontale ici, et ensuite on fera la presse sur le côté ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Également, vous pouvez également me suivre sur Instagram, donc je vais vous mettre le lien en bas. Ou si vous voulez suivre en fait le développement de tous mes autres projets en cours et si vous voulez voir des photos de mon chien. Voilà, donc merci d'avoir regardé et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.